Bon, bah c'est bon, hein, vous avez tout vu, pas besoin de vous faire le test. Allez hop, allez, on remballe. C'était donc le test de Ratchet & Clank Opération Destruction. Retournez bien. Bon, d'accord, ok, j'arrête. Bon, bah c'est bon, hein, vous avez deviné maintenant que je vais vous présenter Ratchet & Clank Opération Destruction, qui est donc le premier opus de la trilogie, enfin trilogie, hein. Est-ce que on peut considérer ce Ratchet & Clank comme une trilogie? Parce qu'en fait, bon. Ça a commencé sur PS2, et après il y a eu ceux-là sur PS3. Donc lui, ça a été le premier Ratchet & Clank Next Gen, HD, voilà quoi. Et donc il y a eu Opération Destruction. Le dernier s'appelle Cracking Time. Et au milieu, il y en a eu un petit qui s'appelle Quest for Booty, qui dure. Je sais pas moi. Oh. J'allais dire 45 minutes, mais ça fait quand même court. Donc on va dire qu'en une demi-après-midi, c'est torché, hein. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein. Et en fait, pourquoi il y a eu ce petit jeu au milieu? Et bah, c'était simplement pour faire patienter les fans. Histoire bah, qu'entre les deux, entre les deux gros jeux, il y en ait un petit pour les faire patienter. Tout simplement. Et oh, je l'ai pris de peur que. Bah déjà parce que j'aime bien avoir, quand je fais une série, quand je fais une collection, j'aime bien qu'elle soit complète. Donc là, il y avait déjà cette raison-là, mais aussi parce que je me disais, oh bah peut-être que ça va avancer l'histoire, je sais pas, et en fait finalement non. Et pour tout vous dire, sincèrement, déjà je vais pas vous en faire le test, ça servirait à rien, et de deux, je m'en souviens même plus. Voilà. C'est pour vous dire à quel point c'était très important, et que c'était palpitant, et que ça continue l'histoire. Non, non, c'était vraiment pour faire patienter, il n'y avait pas d'histoire qui continuait, non, pas du tout. Alors, pendant que je discutaille un petit peu, on va charger. Alors, là j'ai fait plein de sauvegardes parce que j'ai prévu plusieurs planètes à vous montrer, mais je vais pas tout vous montrer là, la plupart, mais pas tout. Donc on va commencer avec Planète Report. Et attention, ça commence assez dur. Assez dur. On va dire, non, c'est pas difficile, mais le truc c'est que il va y avoir une petite chute libre. Voilà, donc c'est un des aspects, un des nombreux aspects que j'ai envie de vous montrer dans ce jeu. Ouais, parce que là, en fait, j'ai fait des sauvegardes histoire de vous montrer un peu tout ce que le jeu propose. Voilà, parce qu'il y a vraiment, il y en a vraiment pas mal. Et là, cette première phase en chute libre, attention, elle se fait au six-axis. Et ouais, et ce n'est pas le seul élément qui se fait au six-axis. Non, 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 non. Vous allez voir. Tout au long de cette vidéo, qui, je pense, va durer un certain temps. Une petite cinématique. Si la durée de phase de rappel de la capsule s'est arrêtée à 3 km d'ici. Mais il n'y a pas de zone d'atterrissage appropriée. Bon, employez les bonnes vieilles méthodes. Franck, Zephyr, préparez-vous pour le saut de l'ange. Alors, on y est pris, bleu, après toi. Et voilà, c'est parti, attention. Là où vous voyez Ratchet qui bouge, le héros, Ratchet, hein, et Clank, le robot qu'il y a sur son dos. Et là, s'il bouge, eh ben c'est moi, regardez, youhou, je fais gauche-droite, je me fais avoir par des fusées, c'est cool. Voilà, donc c'est pour ça que généralement je fais des ronds comme ça. Comme ça, c'est pratiquement impossible de m'avoir. Voilà. Et là, attention, on atterrit sur la zone de combat. Alors attendez. Ouh, doucement. On va mettre la pause, parce que sinon je vais me faire attaquer de tous les côtés. Alors là, voilà, c'était une phase en chute libre qui exploitait le 6 à 6. Mais maintenant, attention, on va arriver dans un endroit où il va y avoir beaucoup de monde qui vont nous attaquer. Et c'est là où je vais commencer à tenter, je dis bien tenter, de vous montrer toutes les armes que l'on a à disposition une fois qu'on a fini une première fois le jeu. Et oui, parce qu'en fait, ce jeu a un. Comment on appelle ça? Un Game Plus? Non, je sais pas comme ça. Putain, comment on appelle ça? Eh merde, il y a Game dedans et il y a Plus, je crois. New Game Plus! Ah, il manquait le New. Et oui, et ça, en fait, vous pouvez finir le jeu une, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Bon, non, non, moi, je m'en suis arrêté à trois fois, je crois. Parce que j'ai aimé, hein, jusqu'au bout. C'était trop bien, mais ça, je vais vous en parler encore. Voilà, et donc là, j'ai beaucoup de boulons, j'ai beaucoup de raritanium, j'ai beaucoup d'armes. Et là, parmi ces armes-là, je vais essayer de vous montrer ça, et ça va être assez chaud, parce que ça va péter de partout. Et ça va aller assez vite. Attention, c'est parti. Kishnifou se lance dans la bataille. Alors, en appuyant sur triangle, on a accès à l'ensemble des armes. Mais elles ne sont pas toutes là. Il y a trois sections. Une, deux
et 3. Donc il y a... attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. On peut mettre 8 armes. 8, 16, 24 armes. Bravo. Sauf que... elles ne sont pas toutes là. Ou presque. Parce qu'après, on va pouvoir aller les sélectionner dans le menu pause. Par exemple, si on préfère mettre certaines armes ou non. Parce qu'elles ne sont pas toutes là, mais... je veux dire, là, j'ai 8, 16, 24. En tout, il doit y avoir 26, 27 armes. Et donc, du coup, parfois, ben, s'il y en a une que tu préfères, t'es obligé de la mettre à la place d'une autre dont tu te sers moins et qui va rester dans ton inventaire. Voilà, mais bon, généralement, avec ces 24 armes-là, tu as ce qu'il faut pour finir le jeu correctement et sans devoir changer avec le menu pause. Hein. Non, 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 non. Ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce menu qu'on accède avec triangle, on a donc ces trois sections-là, et on va commencer par le début, hein, sauf qu'il n'y a pas vraiment de début. Alors, allez hop, je suis sur celle-ci. On va dire que c'est une arme assez classique, vu que c'est une arme... voilà, on va tirer, et hop, ça va faire des éclats de glace, qui peuvent être assimilés à de simples tirs normaux. Hein. Alors, attention, hop. Donc là, si je veux... garder la caméra fixe, comme ça je laisse appuyer sur L2. Comme ça au moins, j'ai beau bouger le personnage, il restera toujours fixé devant. Son regard sera toujours fixé devant, je pourrais faire des pas de côté comme ça en sautant. Par contre, si je lâche L2, hop, regardez, voilà. Je peux jouer normalement quoi, la troisième personne. Mais dès que par exemple il y a une bataille comme ça, c'est bien fait. Là je me fais toucher, mais bon j'ai beaucoup de vie comme vous voyez là-haut. Comme ça, si je veux me fixer sur la bataille, bim, je laisse appuyer sur L2, et là, je peux bouger, et c'est ce que je me sers la plupart du temps quand je me bats contre des monstres. Alors, cette arme que j'ai là, vous voyez, elle est un petit peu grosse. Elle est vraiment pas mal. Elle est... Bon, vous allez voir, attention. J'ai envie de dire, elle est pas très efficace contre cela, mais là, si je les prends de côté, ça peut être pas mal. Bon, là, je fais n'importe quoi, mais il y a de la vie à foison, donc ça va aller. Et là, en fait, quand je tire, voilà, je leur envoie des éclats de glace... Qu'il est glace, bravo, waouh. Et bon, bah, tu vas faire pas mal de dégâts, mais il faut savoir que vous n'avez pas cette arme-là dès le début. Non, non. Il va falloir upgrader vos armes. Et vous avez plusieurs niveaux d'upgrade. Alors attendez, bah, je vais vous en montrer une autre. Voilà, ça c'est le Rocket Rapace Omega VX. Alors VX, pourquoi? Ça fait partie d'une des upgrades. VX... C'est en fait parce que je l'ai monté au niveau 10. Mais il faut savoir que la première fois que vous allez finir le jeu, vous ne pourrez monter vos armes qu'au niveau 5. Et c'est dès lors que vous ferez le premier New Game Plus que vous pourrez monter vos armes jusqu'au niveau X, qui est le niveau 10. Bravo! Et voilà, donc c'est pas mal parce que comme ça, vous allez pouvoir refaire le jeu déjà avec les armes que vous avez. Et en plus, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de boulons, des boulons qui vont servir à acheter les armes et certaines upgrades, je crois, ou alors ainsi que du raritanium qu'on trouvera, donc ça on en trouve un peu moins, et qui sert aussi à avoir des améliorations. Alors, donc là, c'est le lance-prédateur, il me semble. Je laisse appuyer. Attendez. Oui, voilà. Je laisse appuyer en fait sur R1, donc la touche de tir. Et normalement, ça doit focaliser les ennemis, si je ne me trompe pas. Pourquoi ça... Ah oui, voilà. Regardez, là, j'ai des projectiles qui sont armés. Et là, je lâche. Et ça va contre l'ennemi. Je recommence. Ah bah là, il me les a explosés. Non, c'est bon, il s'est fait exploser. Ok. Donc là, vous voyez des ennemis. Je les avais tués, mais... En fait, ils ressemblent à ça, les ennemis. Je peux les accrabouiller aussi, c'est assez sympa. Voilà. Ils relâchent à chaque fois des boulons. Il y en a de partout. Alors on va continuer, donc ça c'est le swinger, ce n'est pas une arme. Le swinger, vous allez le voir plus tard, en fait ça me sert simplement à passer des espèces de, comment on appelle ça, des espèces de balançoires, des espèces de crochets en fait qui tiennent tout seul en l'air et qui nous permet en fait de passer de plateforme en plateforme. On a Monsieur Zurkon. Alors Monsieur Zurkon, ce n'est pas une arme, c'est ce qu'ils appellent un dispositif. Et ben, vous allez voir, je le jette. Il se forme tout seul devant moi, et là, c'est mon garde du corps. C'est-à-dire que si je m'approche d'un ennemi, regardez-le bien, fixez-le bien. Voilà, il se met à tirer dessus, et là, il vient d'en éclater un magnifiquement bien.
On a aussi, donc, Monsieur Zurkon va rester pendant que j'aurai une autre arme, ce qui est très bien, mais au bout d'un certain nombre de tirs, il va disparaître. Ce qui est marrant, c'est que des fois, il fait des petites réflexions, genre par exemple, si on me touche, il va dire « Oh, c'est vous qui avez touché ma boule de poil !» Donc ça, c'est bien marrant. Il y a ça, donc ça c'est les disques ravageurs oméga, donc comme son nom l'indique c'est assez ravageur. Ça fait pas beaucoup de dégâts, un disque ne fera pas beaucoup de dégâts, mais ce qu'il y a c'est qu'on va en tirer à foison, et ils vont rebondir dans tous les sens, et forcément atteindre assez facilement les ennemis, surtout lorsqu'on est dans un endroit fermé. Voilà, alors attention, là je tire, et c'est parti, mitraillette de scie. Voilà, ça vit. Il y a une certaine visée automatique. Je veux dire, voilà, par exemple, je vais être face à cet ennemi-là que vous voyez, enfin que vous voyez plus vu que je viens de l'exploser. Ça va viser assez automatiquement les ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, donc qui est aussi un. Ah non, ça c'est une arme. J'allais dire un dispositif, mais non. En fait, c'est un peu comme Monsieur Zurkon, c'est-à-dire qu'on va le lancer et il va agir tout seul. Sauf que celui-ci ne va pas me suivre. Ça va être une ruche, en gros. Hop, on le lance. Et là, vous voyez, ce machin vert, c'est une ruche. Dès que les ennemis sont à une portée assez particulière, assez précise, voilà, par exemple, lui, il est là-bas, ça va l'atteindre. Il y a beaucoup d'abeilles qui vont venir sur lui, l'atteindre. Bon, je pense que c'est pas des vraies abeilles, ça doit être des prototypes robots, je sais pas trop quoi. Et bon, mais encore une fois, la portée, la puissance, tout ça, c'est tous des trucs qu'on acquiert, en fait, en améliorant les armes. Oh putain, mais je vais crever, là, je me rends compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on va crever? On crève. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on va crever? On crève. Non, non. C'est pas ça, en fait. J'aurais dû aller voir lui, là. C'est celui qui me vend des armes, celui qui me remet mes munitions. Donc là, bon, améliorer armes. Ah, bah tiens, bah, je vais vous montrer. Pendant qu'on y est, je vous parlais de ça. Ce qu'on peut faire, c'est que si, par exemple, je veux améliorer... Bah, de toute façon, ils sont déjà tous améliorés, donc... Et par exemple, lui, que je ne vous ai pas encore montré. Eh ben, on... Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'améliorer l'arme. La première manière d'améliorer l'arme, c'est de l'utiliser. Quand on va l'utiliser, vous allez avoir une petite barre en bas à droite de l'arme, en bas du symbole de l'arme, qui va grimper au fur et à mesure que vous allez tuer des ennemis, que vous allez l'utiliser, et c'est ça qui va vous permettre de monter des niveaux jusqu'au niveau X, le niveau 10 que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a aussi cette manière-là d'augmenter les armes, et c'est donc là on va payer. Ah voilà, c'est là qu'on utilise le raritanium. Vous voyez le symbole en bas à droite, là j'en ai 17 120 188, et donc ce symbole là c'est du raritanium, et en fait il sert à avoir par exemple des améliorations comme celui-ci qui améliore la portée, celui-ci qui améliore la cadence, donc la rapidité de tir, celui-ci qui améliore la force. Et celui-ci, cette amélioration augmente le raritanium. Ah oui, voilà. Donc si par exemple, il y a des ennemis qui lâchent du raritanium lorsqu'on va les tuer, eh bien cette amélioration-là va faire que l'ennemi en lâchera beaucoup plus. Et une fois que vous avez tout fait, vous allez avoir une ultime amélioration qui va changer. Je crois qu'elle change un petit peu l'aspect de votre arme. Et qui va, donc celle-ci, j'ai pas lu, avec cette amélioration, chaque tir en fusion, oui, parce que je me souviens plus, attendez, on a tellement d'armes, fusion arme se transforme en une pluie de substances. Ah oui, c'est-à-dire que dès que vous allez tirer, il va y avoir une pluie de jets de flammes qui va se répandre par terre et qui va affaiblir les ennemis qui vont marcher dessus. Bon, voilà. C'est souvent des petits détails comme ça qui vont bien nous sauver par la suite, et qui fait toujours plaisir en termes d'amélioration d'armes, autant visuellement que efficacement. Voilà. Sinon, il me semblait qu'il y avait une autre manière d'améliorer les armes, mais à moins que je dise une grosse connerie. Mais peut-être que ça me reviendra. Hein. Donc là, armes et munitions, donc c'est là normalement où on achète les armes ou les munitions, mais j'ai tout à fond vu que je viens de perdre. Et puis, des armes, je les ai toutes achetées. Alors, c'est reparti, on va continuer la découverte des armes. Donc, je n'étais pas ici, j'en étais ici. Vous avez vu la ruche. Et là, maintenant, vous allez voir l'araignée. Alors, c'est en fait des filets que l'on va lancer donc contre les ennemis. Voilà, hop. Ça va les mettre dans une cage. Et en fait, cette cage va les électrocuter. Et les affaiblir jusqu'à ce qu'ils crèvent. Ou alors, s'ils sont trop puissants, ça va les affaiblir un petit peu et la cage va disparaître. L'amélioration que j'ai eue, par exemple, comme vous pouvez voir, c'est qu'une fois que la cage explose, elle va lâcher des espèces de petits
des espèces de petits feux d'artifice rouges qui vont exploser et tuer les ennemis, enfin, tuer, non peut-être pas, mais au moins affaiblir les ennemis aux alentours. Tiens, regardez là, on voit du raritanium par terre là. Voilà, ça c'est du raritanium. Et ça j'en raffolais moi quand je jouais au jeu. J'en raffolais complètement parce que vu que ça me permettait d'améliorer mes armes, c'était vraiment pas mal. Alors les hélicapsules, ça c'est pour, c'est pas une arme, c'est pour simplement faire léviter des plateformes, les faire monter, histoire de vous ouvrir des passages ou diverses actions sur des objets, voilà, une interaction d'objets. Bref, pas très très important, on a un fameux lance-flamme, donc par exemple si j'utilise ici contre le personnage très loin, bah forcément ça va pas l'atteindre, hein, non. Faut pas être con, il va falloir que je me rapproche. Alors, en esquivant les balles. Oh là là, trop classe. Et là je l'utilise, voilà, et là il va crever parce que mon arme elle est trop forte, non même pas. Ah si, voilà. Oui, parce que comme elles sont comme elles sont toutes à fond, regardez en haut à gauche, vous voyez VX. En dessous de mes munitions de 35 sur 40, vous voyez une barre vide. Et bah c'est cette barre là qui se remplit lorsque vous avez encore des niveaux à augmenter. On a ça aussi qui est destructeur, c'est des fusées. Alors, où est-ce qu'il y a des ennemis, là? Là. Bon, parfait, regardez. Hop, là, ça pète de partout. Ça, c'est marrant. Sachez aussi qu'on ne peut pas se faire avoir par nos propres armes. Si, par exemple, je... qu'est-ce que je peux tenter de faire? Où est-ce qu'il y a un méchant? Là. Si je m'approche carrément et que je tire, vous voyez, ma vie n'a pas descendu. Je ne me ferai pas avoir par mes propres armes, par mes propres explosions. Le visicoptère, ah oui, ça c'est sympa. Donc, je prends possession du visicoptère, je le dirige encore une fois avec la reconnaissance de mouvement, la 6 axis de la DualShock 3, et je peux avec carré, qu'est-ce que non, je peux rien avec carré, c'est avec rond, non, voilà, avec rond je peux lancer des projectiles. J'en ai à l'infini, je crois, ou alors ça dure un certain moment. Voilà, et puis je peux l'exploser avec triangle. Attendez, on se retrouve dans 2 secondes. Voilà, c'était juste mon son qui avait coupé encore une fois, mais c'est pas grave. Alors voilà, donc je vais vous montrer ce machin qu'on peut exploser avec triangle. Bon là j'ai fait n'importe quoi. On a ça aussi, ah oui, qui est pas mal. C'est le déchiqueteur Omega. Et qui va me permettre de... Alors par contre ça c'est... Ça c'est chiant parce qu'il faut attaquer au corps à corps. Et voilà, ça va me permettre de... Bah, de je sais pas, de déchiqueter, hein, comme son nom l'indique, les ennemis. Et plus apparemment j'utilise, vous voyez, plus il va changer de couleur un petit peu rougeâtre pour montrer que le gars est vraiment énervé quand il l'utilise, ou tout simplement parce que c'est plus fort, je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas vraiment. Alors là, je vais acheter mes munitions. Et là, ce qui est bien, quand on va au marchand pour récupérer les munitions, il nous redonne de la vie entière. Donc ça, c'est sûr que ça fait que le jeu en devient facile quand vous avez... quand. C'est vrai, après tout, vous avez voilà, des combats comme ça, là. Vous êtes en difficulté, ben vous avez un gars avec les munitions, voilà, vous lui parlez, vous achetez les munitions, vous ressortez et bim, il vous redonne toute votre vie. Bon, ben voilà, et le pire, c'est que on a, à chaque fois qu'il y a des gros combats, vous êtes pratiquement certain d'avoir un vendeur comme ça qui va vous redonner toutes vos munitions ainsi que toute votre vie. Vous voyez en haut à droite, en dessous du symbole du boulon, il y a un x1, c'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir faire des multiplicateurs de boulons. Tant que je les tue, mon multiplicateur va augmenter, voilà, x2, et dès que je me ferai toucher, mon multiplicateur va retourner à 1, et ainsi de suite. Et il peut augmenter jusqu'à... je crois que j'en ai pas vu la limite. Je suis arrivé peut-être à x15, et j'ai pas vu la limite. Alors ça, les transmorphères, je crois que ça transforme, attention à ce que je vais dire, ça transforme les ennemis en pingouins. Non, non, c'est pas une blague. Sauf que eux ils sont peut-être un peu trop gros. Il aurait fallu. Il n'y en a pas des plus petits là. Merde. Bon bah si jamais j'y pense, je vous montrerai. Alors ça c'est un déguisement de l'eau pirate qui va nous permettre de passer des portes qui sont cloisonnées et qui ont au milieu une tête à l'effigie d'un pirate et qui va nous dire danser la gigue pour pouvoir rentrer. Et si on reste Ratchet, il va nous dire dégage. Et si jamais on est un holo pirate comme ça, il va nous dire, bah vas-y, danse la gigue, vous voyez, je suis un pirate, pour pouvoir passer. La gigue, c'est une danse, hein, une danse pirate, mais ça, je vous montrerai peut-être plus tard. Alors ça, c'est le canon Alpha Omega, je crois qu'on l'achète à un gars. C'est assez puissant, regardez, là, je charge mon tir, et attention,
boum. Ah, ça l'a pas explosé. Peut-être deux coups. Voilà. En deux coups, le truc, il est mort, alors que c'est souvent des ennemis qui sont assez résistants. Hein. Voilà, allez, hop. Non, je l'ai pas tué. Bim. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça, le jet mortel. Qu'est-ce que c'est, ça, déjà? Ah oui, voilà. C'est un truc qui va exploser et... Bon, bah, vous voyez, hein. C'est des espèces de trucs qui vont se balader comme ça, et dès qu'ils vont trouver un ennemi, ils vont aller l'attaquer. Alors, troisième et dernière section, on a les monstres plasma creuseurs Omega. Alors, ah oui, c'est Omega parce qu'en fait, ça c'est parce que j'ai eu la dernière transformation de l'arme. Donc en fait, ça c'est simplement un peu comme un monsieur Zurkon. C'est-à-dire que je vais en envoyer comme ça, ils vont se cacher dans la terre. Vous voyez, quand je vais marcher, vous allez voir leur petite tête, voilà, ici, une petite tête verte, qui vont me suivre de partout. Et dès que... Oulala, oulala, d'accord, merde. Alors lui, on va se le faire. On va se le faire avec quelle arme? Bah tiens, avec une nouvelle arme. Le fusio bombe. Ah oui, ça c'est des bombes. Simplement des grenades, quoi. Hop, on va lancer ça. Bon, rien d'exceptionnel, c'est des grenades normales, hein. Et en fait, ces espèces de monstres plasma, ils vont me suivre. Et dès qu'ils vont voir un monstre, ils vont lui sauter dessus. Ils vont disparaître. Ils vont le toucher qu'une seule fois et disparaître après. Je sais pas s'ils font vraiment de dégâts, je m'en sers pratiquement jamais. Ça, c'est l'arme que vous avez vue tout à l'heure et dont j'ai pris comme exemple pour améliorer. Et bon, c'est simplement une arme qui lance des gerbes de flammes. Voilà. Et après, il y en a qui restent au sol grâce à l'amélioration que j'ai eue. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le ravageur. Alors ça, c'est un fouet. Comme ça, là. Là, il y a un méchant et on le fouette comme ça. Il aime ça en plus. Et s'il y a, ce qu'il y a bien, c'est que par exemple, s'il y a plusieurs ennemis côte à côte, eh ben, c'est un filet électrique qui va atteindre l'ensemble des ennemis côte à côte et souvent faire pas mal de dégâts et même tous les tuer quand il est bien augmenté. On a la tornade. Alors la tornade, encore une arme qui se manie au six-axis. Voilà, là j'en vois. Et là, vous la voyez bouger. Oula, attendez. C'est mon écran qui bouge tout seul. Ah voilà. Bah du coup, je l'ai perdu. Elle est où? Elle est où, ma tornade? Ouais, j'ai perdu ma tornade. J'en ai envoyé une autre. C'est... Voilà. Et là, si vous l'avez bougé, et ben voilà, c'est moi. C'est moi qui la bouge avec ma six-axis. Je peux la faire revenir vers moi. Je peux la faire aller beaucoup plus loin. À gauche, à droite. Et ben voilà. Là, je l'ai fait tomber dans le vide. C'est parfait. Bon, ça, j'avoue que je m'en servais pas trop non plus. Ça, le telt, je le réserve pour la fin parce que c'est l'arme que je vais garder tout le temps. Parce que, après vous avoir montré toutes les armes, je vais garder celle-ci là. Ce sera beaucoup mieux. Alors, ça, je vais pas le prendre parce que j'en ai pas. En fait, c'est le Gélanator. On en trouve qu'à certains endroits des niveaux. Et qui va nous permettre, en fait, de passer des plateformes qui sont beaucoup plus hautes qu'à la normale. En fait, on va mettre du gel par terre. Voilà, on va le tirer avec notre arme. On va pouvoir mettre 3 couches de gel. Et plus on mettra de couches, plus quand on sautera sur ces sur cette espèce de gel vert, plus on en mettra, plus quand on sautera dessus, on sautera haut. Voilà, à part ça, on a ça, le dernier truc, et ça, c'est pas une arme, c'est en fait pour faire danser les ennemis. Attention, j'en envoie une, et voilà, de la funk, c'est parti. Et ça, ça va faire danser les ennemis. Donc dans ce jeu, je pense que vous l'avez un petit peu remarqué depuis le début, il y a beaucoup d'humour. Alors ça c'est sûr, c'est un jeu avec beaucoup d'humour et je dirais même que c'est le plus gros atout du jeu. Alors là, j'ai le Telt 4, c'est un truc aussi qu'on achète à un contrebandier, il me semble. Et ça, c'est vraiment pour moi la meilleure arme du jeu quand elle est améliorée comme ça. C'est, on va tirer et ça va envoyer plein de rayons qui va atteindre les ennemis et leur faire beaucoup de dégâts. Attention, c'est parti. Voilà, à plus d'ennemis. Pas mal, non? Donc là, je dois simplement activer les boutons, voilà, pour que lui puisse aller désactiver les champs de force, je sais pas trop quoi. Alors, un truc aussi qui est extrêmement important dans Ratchet & Clank, et qui suit Ratchet depuis sa toute première aventure, c'est sa clé. Celle-ci-là. Attendez, je vais d'abord les tuer, et je vais vous montrer après. Elle est pas très très visible. Donc là aussi, le héros, vous devez vous dire, mais c'est quoi ce héros avec cette combinaison? Eh ben, en fait, Ratchet, je pense que vous l'avez deviné, il ne ressemble pas à ça, normalement, mais c'est simplement une armure que l'on obtient, que l'on peut acheter au bout d'un moment dans le jeu, et qui bah, nous permet d'être un peu plus résistant. Mais je trouve ça assez bizarre, parce que, comme vous voyez, j'ai beaucoup de vie,
Mais quand je me fais toucher, bah, je perds énormément de vie. Alors que tout au début du jeu, quand j'avais, je sais pas, moi là vous voyez 999, mais au début on en a que, on a que 15 points de vie à peu près. Et ben là, on en perd beaucoup moins. Alors est-ce que ça n'a pas été bien géré? Ou est-ce que quand on va faire un New Game Plus, les ennemis sont beaucoup plus puissants? Et dans ce cas, j'ai l'impression que ça sert pratiquement à rien. Enfin, on voit pas trop la différence quand on a beaucoup ou pas de points de vie. Parce que du coup, ben, au début du jeu, les ennemis font pas mal, on va pas perdre beaucoup de vie. Et quand on arrive à la fin du jeu, on a beaucoup de vie, mais les ennemis vont faire plus mal. Donc au final, ça revient exactement au même. On n'est pas plus résistant. Moi, je me suis jamais senti plus résistant, sincèrement. J'ai eu beaucoup d'armure dans le jeu, mais non, je me suis jamais senti plus résistant par rapport au début ou par rapport à la fin. Voilà, voilà. Bon, ben, j'ai fait le tour. C'est pas mal, ça, non? Il me semble que je vous parlais d'un truc, mais je me souviens plus trop. Ouais, qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore? Donc là, ils vont activer des canons, normalement. Voilà. Ah non, non, il y en a encore qui arrivent. Bon, bah là, je les éclate. Bon, ouais, je vous parlais un petit peu de l'humour. J'en ai déjà un petit peu parlé, là, mais c'est vrai que ce jeu, c'est son plus grand atout, je crois. Sincèrement, autant dans les... Vous rigolez tout le temps, même quand il y a des phases chiantes. Enfin, il n'y a pas beaucoup de phases chiantes, mais des fois, quand par exemple, vous êtes sur un glisse-oreille et que... Ah, c'est, je me souviens de ce que je vous parlais de la clé, mais c'est pas grave, j'y reviendrai après. Quand vous êtes par exemple sur un glisse-oreille, bon, vous allez devoir éviter des trucs, mais pour éviter que ce soit chiant, ils vous mettent en plus, par exemple, des gens qui parlent, une voix digitalisée qui parle et qui dit que des conneries, par exemple... il y a une réunion des parents, attendez vos enfants par là, évitez de les perdre, sinon nous enverrons des robots qui iront à la recherche, ou des trucs comme ça, mais complètement n'importe quoi, et qui font toujours délirer. Mais aussi les cinématiques, elles sont... Il y a que de l'humour dans les cinématiques, ça c'est bien marrant, même quand la situation elle est difficile, il se passe des choses qui sont sérieuses, et ben ils arrivent toujours à faire rire. Alors il y a aussi, voilà, une autre fonctionnalité, le géolaser, et qui se manie aussi à la 6-axis. Allez, arrête-toi là, j'ai un bug de manette. Voilà, et là je dois passer avec le laser sur les espèces de petites croix, histoire de me frayer un passage. Donc là, vous voyez le rayon bouger, c'est moi qui le bouge avec ma manette, grâce au 6-axis. Voilà, alors je voulais vous parler de la clé. Donc, c'est ceci la clé. Je peux l'utiliser en appuyant sur carré. Et bon, elle sert pas à grand chose. Peut-être au début elle va servir beaucoup parce que vous n'allez pas avoir beaucoup d'armes. Vous pouvez faire, voilà, une espèce d'attaque chargée. Vous sautez, vous appuyez sur carré. Et vous allez aussi pouvoir améliorer votre clé parce que si jamais vous faites ça à côté de caisse au début. Il va rien se passer grand chose, et quand vous l'avez bien amélioré et que là vous allez faire à côté de caisse, regardez, voilà, elles explosent. La clé a une puissance accrue et une portée également accrue, donc ce qui est vraiment pas mal. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec Clank qu'on a sur le dos? Et bien, je vais vous montrer. On peut, je pense que vous l'avez déjà vu, planer. Voilà, comme ça, je saute, je fais un double saut, je laisse appuyer sur croix et on peut planer. On peut faire aussi des sauts en longueur, c'est-à-dire qu'on laisse appuyer sur R2 plus croix quand on marche. Il fait un saut en longueur comme ça, qui va nous permettre par exemple de passer des précipices qui sont peut-être un peu loin. Et aussi, on peut faire un plus grand saut que ça. Si par exemple on a des plateformes qui sont plus hautes, en appuyant sur R2 et croix. Hop, hop là, voilà, il se fait une petite propulsion vers le haut. Encore une fois, quelque chose de pas mal. Alors qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer dans ce niveau? Alors, un petit truc, c'est les phases. Bah du coup, vu qu'on parlait de Clank... Là, normalement, bientôt, il va y avoir une phase avec Clank. Merde, qu'est-ce que je prends de ça, voilà. Il va y avoir une phase avec Clank. Ben, ça va être par là. Je vous laisse la cinématique. C'est parfait. Le prince des grands Kragmites et l'héritier des petits Lombax. À l'endroit même où leurs ancêtres ont mené leur dernier combat. Que penses-tu de ma planète, Lombax? Elle n'a pas connu l'activité depuis des années, grâce à ta race. J'adore les ruines. Il manque juste de la lumière pour que ce soit Feng Shui. Tais-toi, sombre crétin.
Je m'occuperai de ta misérable personne plus tard. J'attends ce moment depuis si longtemps. Voici enfin le grand moment, la consécration du peuple cramé. La consécration. Voilà, donc toujours de l'humour, hein, comme vous voyez. Oui, alors lui, qui c'est lui? Bah c'est Tachyon. Je vais pas vous raconter toute l'histoire non plus, parce que bon, c'est un jeu à faire même encore aujourd'hui. Et donc vous découvrirez par vous-même. Et en fait, c'est un survivant d'un peuple nommé les Kragmites, qui était un peuple méchant, on va dire ça comme ça, hein, et qui a été élevé par des Lombax. Les Lombax, ils sont de la race de Ratchet, là, que vous voyez. Et un jour, il a découvert que c'était un Kragmite. Et il s'est un petit peu renseigné sur l'histoire. Et l'histoire disait que les Lombax avaient envoyé les Kragmites, enfin, les avaient exterminés. Voilà, on va dire ça, parce que sinon, je vais vous révéler quelque chose qu'il faut pas. De toute façon, je pense qu'il l'a dit, là. Ouais, en fait, ils se sont rendus compte plus tard que les Kragmites ont été envoyés dans une autre dimension au lieu d'avoir été exterminés. Et là, ce qu'il a sur la tête, Tachyon, le grand méchant, c'est le dimensionnateur qui permet de faire revenir ou d'envoyer des créatures dans une autre dimension. Et là, eh ben, il a fait revenir les Kragmites. Et là, vu que Ratchet et Clank se sont perdus de vue, eh bien, je dirige Clank. Et qu'est-ce qu'on peut faire de spécial avec Clank? Donc, je vais pas aller jusqu'au bout avec lui. C'était simplement pour vous montrer cette phase-là. Alors, on peut faire les mêmes mouvements que quand on a la clé avec Ratchet. Enfin, les mêmes mouvements, simplement en appuyant sur carré, parce que si on saute et qu'on appuie sur carré, il fait rien. On peut planer. On peut pas faire de super saut. Non, franchement, c'est très très limité avec Clank. Mais Clank, il a une particularité, c'est que dans cet opus-là, Clank voit des Onis. Et les Onis, c'est des petites créatures que seul lui arrive à voir. On ne sait pas trop qui c'est, je ne vous dirai pas qui c'est non plus. Et... alors attendez, bah, par exemple, voilà, on en voit ici. Donc, par exemple, j'appuie sur triangle. Là, j'ai pas d'arme, j'ai rien du tout avec lui. Je peux simplement, quand je vois des Onis, par exemple, comme ça, les demander de me suivre. Oni. Voilà. Donc là, ils disent Onis, parce que comme ça, ils me suivent. J'arrive vers ces petites espèces de boules lumineuses, et je leur dis de manipuler. Je peux leur dire d'abord, par exemple, si j'ai un au-dessus d'un précipice et que je veux passer, lévitation, hop, ils me font léviter. Petit moment. Et je peux leur demander, par exemple, de manipuler un truc pour m'ouvrir un passage. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut, par exemple, là, vous voyez, voilà, c'est pas trop important, mais des fois, quand il y a des espèces de trucs où c'est complètement impossible à passer, on peut, attention, ralentir le temps. Alors, c'est bien parce que quand on ralentit le temps, en fait, on peut passer des passages qui sont un peu compliqués et également battre les monstres. Parce que souvent ils sont assez compliqués à battre quand... parce que déjà on n'a pas d'armes. Donc forcément c'est assez compliqué de les battre. On n'a que notre clé. Donc d'arrêter le temps, et ben ça sert pas mal. Du coup voilà pour les taper. Mais ça m'empêche pas quand même de me faire avoir. Donc bah écoutez, c'est pas grave. Allez, on va s'arrêter ici. Enfin, s'arrêter ici pour cette planète-là. Hein. Donc, on va aller dans Options. Je vous montrerai un petit peu les options du menu pause plus tard. On va charger. Et maintenant, on va aller sur... j'ai noté Igliac. Il faut que je la retrouve. Igliac, c'est ici. Et ici, bah, il va y avoir encore deux, trois petites fonctionnalités du jeu qui sont pas mal à montrer. Donc ça, c'est les temps de chargement. En fait, pendant tout le jeu, on va naviguer de planète en planète. Et voilà, quand on va changer de planète, il y aura des chargements comme ça. On aura différents angles de vue du vaisseau jusqu'à ce qu'il atterrisse sur la planète voulue. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, cinématique. Rappelle-nous, comment ça se passe à Meridian City? Le ciel est couvert, 22 degrés. Idéal pour la pêche en crue. Je parlais de l'invasion. Oh! Dans ce cas-là, plus d'un quart de la ville a été décimée par les navettes Kragmites. Les habitants vont avoir besoin de renforts. On est en route. Alors là, on est dans une ville où tout se casse la gueule. Donc là, je récupère. Alors, vous voyez un peu le nombre impressionnant que j'ai de boulons. J'en ai 4 milliards 784 millions
Ah non. J'en ai que 400. Attendez. Il me semblait que j'en avais au moins un milliard. Non, c'est pas possible, un milliard. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Comment je peux avoir un milliard? C'est énorme. Il y a que le Gangnam Style pour faire un milliard de vues. Non, non, c'était des millions, en fait. Alors, je vais reprendre mon arme super cheatée, là, le Telt 4. Et c'est parti. Donc là, on va aller un peu plus vite, maintenant. Hein. Alors, en attendant qu'on arrive aux petites phases que je vais vous montrer, là, qu'on détruise un petit peu tout. Je vais vous dire aussi que pourquoi je fais cette vidéo de cette vidéo test de Ratchet & Clank. Eh bien, c'est simplement parce que je me suis rendu compte que je voyais pas beaucoup de vidéos test de ce jeu, mais je sais pourquoi. Alors voilà juste ici une petite phase hein, qui me permet d'utiliser mes bottes. Comment on peut appeler ça? C'est des bottes anti-gravité ou qui s'accrochent à des espèces de plaques faites pour ça, adaptées pour mes bottes là. Bon là il y a juste cette pente là, mais parfois il va y avoir une... comment on appelle ça? La gravité va être pas mal exploitée et il va y avoir des phases comme ça où il va essayer de falloir gérer entre ces phases de bottes là, la gravité, tout ça, et ça va être vraiment bien fait. Alors là, je vais me remettre mes armes à fond, voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah oui, on va avoir une petite phase de décryptage. Oui, alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu de vidéos test de ce jeu, mais c'est tout simplement, à votre avis, pourquoi? Et bien parce qu'il est bon. Et généralement, un jeu, ben, quand on n'a rien à dire, et ben forcément, on va pas faire de vidéo. Donc voilà, mais moi, j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai quand même de très beaux souvenirs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il monte pas? Ouais, voilà, j'ai quand même de très bons souvenirs avec ce jeu-là. Et je voulais vous montrer toutes ces phases-là qui sont toutes de très très bonnes idées. Voilà, bon, encore une fois, une petite phase. Vous voyez là, nos mouvements sont limités. Je peux pas faire de double saut, je peux pas faire de... Je peux vraiment rien faire, je peux que bouger comme ça et faire des sauts normaux. Alors, bon, là, on va tout bousiller... Alors là, ce que j'ai autour de moi, c'est un bonus multiplicateur de boulons. Donc en fait, tant que je l'aurai, mes boulons seront multipliés par deux, par je sais pas combien. Et donc je vais en avoir, encore une fois, à foison. Là, je vais bientôt atteindre les 500 millions. 500 millions de boulons. Voilà, j'explose vraiment. Merde, j'ai loupé. Reviens là! Oh. Allez, redescends. Allez, ascenseur. C'est bien. Mais merde! Moi, je me mets en dessous. Allez, maintenant, remonte. Tu peux remonter, c'est bien. Alors là, phase de décryptage. Alors ça, encore une fois, un truc qui se fait au six-axis. Merde. Merde. Bon, bah là, j'ai loupé. On va attendre que ça se termine. Alors, en quoi consiste cette phase-là? Elle consiste tout simplement à faire passer une étincelle d'un endroit à un autre. Alors, attendez, je sais même pas si je prends le bon chemin, là. Et en fait, moi, je suis l'espèce de boule magnétique qui roule. Et je dois me placer... Ah, putain, j'ai raté! Et je dois me placer entre deux trous qui me permettent, en fait, de faire passer l'étincelle d'une section à... Ah, putain! Mais non, mais là, je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. D'une section à une autre. Donc, c'est pas évident, hein. Franchement, ça paraît simple. Mais c'est vraiment pas évident à manier. Donc là, hop, faut que je me grouille. Et moi, ces phases-là, ça me fait vachement penser à un espèce de jeu de société que je jouais quand j'étais petit. Ça s'appelait le labyrinthe. Oui, il me semble que ça s'appelait tout simplement le labyrinthe. Et c'était une plaque comme ça qu'on pouvait incliner. Il n'y avait aucun magnétisme. Enfin, magnétisme. Il n'y avait pas d'électronique dedans. Et en fait, voilà, là, j'ai réussi à l'amener là où il fallait. Hop, et du coup, ça m'a débloqué la porte. Et en fait, ça, on devait incliner le plateau pour que la bille qu'on devait déplacer aille d'un endroit à un autre sans tomber dans les trous qui étaient disséminés de partout sur la plaque. Donc c'était vraiment un jeu bien sympa que je me plairais encore à jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, excusez-moi. Et ouais, je pense que ça doit être assez connu, hein. Moi, je sais que c'est vraiment un truc qui me plaisait.
Attendez, je vois qu'apparemment maintenant il y aura le gyrocycle. Donc ça c'est une phase qui est vraiment pas mal, j'adore ça. Voilà, ah bah tiens, parfait, je vais pouvoir vous montrer donc. Enfin, vous montrer pas grand chose parce que j'ai déjà tout acheté. Mais c'était ici en fait qu'on achetait les armures. Oh mais même lui en fait il nous redonne notre vie, bah dis donc. Chaque marchand nous redonne nos vies, nos points de vie. Alors là, on va passer à une phase de gyrocycle. Ça, c'est trop trop bien. On en a pas beaucoup et c'est dommage. Parce que c'est vraiment trop trop bien trouvé. En fait, on est dans une espèce de vélo, mais futuriste. Et oui, parce que ce jeu est énormément porté sur les technologies, en fait. Et là, vous voyez, je suis dans une espèce de vélo à moteur, ou plutôt qui marche à l'électrique, quoi. Et si, je peux appuyer sur R1 pour, hop là, accélérer. Non, c'est pas R1, c'est croix. Voilà, et là, j'accélère. Donc là, allez, hop. On fait n'importe quoi. Donc c'est vrai que dès qu'on commence à aller vite, là, le gameplay ne suit plus. Donc là, vous avez vu un petit ralentissement. Ça fait partie des défauts de ce jeu, même s'il n'en a pas énormément. C'est peut-être même le seul défaut. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ah oui, que j'actionne les boutons. Oui, franchement, ça fait partie un des seuls défauts. C'est que parfois, le jeu, eh ben, il souffre de quelques ralentissements. C'est vrai qu'il se passe souvent beaucoup de choses à l'écran. Attendez, là, il faut que j'aille très vite. C'est parti. Parce que là, le gameplay, il est assez nerveux, hein. Oh putain, bon bah voilà, un petit fail, ça faisait longtemps. Ouais, le gameplay devient assez vite nerveux quand vous allez vite. Voilà. Ouais, donc à part les ralentissements... Mais putain, je devrais aller moins vite là. Allez, on se ressaisit Ratchet, go. Putain, mais ça c'est facile ça, je vois pas pourquoi je crève. Voilà, donc, mais à part les ralentissements... Mais putain, faut que j'aille encore plus vite que ça. Mais attendez, mais j'ai pas galéré comme ça la première fois que je l'ai fait, oh! Allez, là, je vais me concentrer. Et je vais essayer d'aller vite, c'est parti! Mais putain, mais non, mais pourquoi j'y arrive pas? On va être bloqué ici. Non, mais pourquoi? Alors, comme vous voyez, on n'a pas de vie, hein, bien évidemment. Donc ça aussi, on a des checkpoints de partout. Mais putain, mais je peux pas! Si je vais doucement, je me fais emporter, et si je vais vite... Le gameplay fait que je fais n'importe quoi. Oh, c'est bon. Et là, je vais être propulsé. Ouais, et autre petit défaut, mais c'est pas vraiment un défaut. C'est juste que les musiques, j'en ai pas retenu de particulière. Non. Les musiques, c'est vraiment pas ce qui va marquer. Je veux dire, vous allez prendre un Mario, vous allez prendre un Sonic. Vous allez prendre des jeux comme ça, des licences aussi connues. Bah là, vous allez tout de suite avoir... Une musique qui va vous revenir en tête. Et là, Ratchet & Clank, bah non. Non, aucune musique qui me viendrait en tête. Alors là, attention, nouveau truc encore une fois, qui se dirige avec la Six Axis, c'est le vol. Et ouais, ça c'est vraiment pas mal. Et c'est là, après tout ce que je viens de vous montrer, qui se fait la Six Axis, c'est là où on se rend compte, mais putain. Mais c'est même pas ce qu'une Wii ferait. Attendez, une PS3 qui est même pas faite pour la reconnaissance de mouvement, dans un jeu comme celui-ci, elle permet de faire plein de choses. Et quand vous voyez que la Wii, parfois on est obligé de jouer à un jeu en tenant la manette à l'horizontale et qu'elle n'exploite pas du tout la reconnaissance de mouvement, à part peut-être de faire simplement des espèces de petits à-coups de la Wiimote vers le bas, à part ça, rien du tout. Et quand vous voyez qu'un Ratchet & Clank qui n'est à la base pas du tout pensé pour ça et qui nous permet de faire d'innombrables choses, attendez, mais là vous vous dites, mais est-ce que la Wii en fait, elle a bien été faite pour la reconnaissance de mouvement, ou alors c'était tout simplement du foutage de gueule? Et quand vous voyez ça, la PS3 qui nous propose autant de reconnaissance de mouvement et qui est aussi bien gérée, ben waouh, c'est chapeau quoi. On a un constructeur qui se fout de notre gueule. On a un constructeur qui nous donne plus que ce qu'on pense. Bon, après, j'avoue qu'il y a certains jeux Wii qui l'exploitent pas mal. Je suis d'accord. Et il y a beaucoup de jeux qui n'exploitent pas la Six Axis aussi bien que le Ratchet & Clank. C'est peut-être celui qui l'exploite le plus parmi tous ceux que j'ai joués. Bon, allez, petite cinématique. Une fois que j'aurai tué ces monstres-là. Encore une fois, une cinématique bien marrante avec le Capitaine Quark, qui est un personnage récurrent de la série et qui est toujours aussi drôle.
Tout va bien, Quark ? Ce type vient de descendre dans mon estime. Il faut qu'on arrête Tachyon avant qu'il arrive à ouvrir d'autres portails. Dis-moi où il est. Qui sait, on s'en fiche. Je ne mérite pas ces tablettes de chocolat, cette silhouette de rêve, ces pectoraux d'acier et ce postérieur parfait. Je ne suis pas un super-héros. Je ne suis plus le capitaine Quark. C'est pas vraiment le moment de péter un câble. Ratchet, je pense que Tachyon se dirige vers Fastoon. Quoi? Comment tu le sais? Les Onis me l'ont dit. Direction Fastoon, alors. Quelle brillante idée! Je vais rester ici pour coordonner les efforts. Toujours pareil, celui-là. Alors maintenant, bah tiens, bah c'est parfait. Ils nous font revenir au vaisseau. Et ben c'est parfait. On va aller au vaisseau et on va aller sur la prochaine planète que je voulais vous montrer. Alors je sais pas si je vais vous montrer notre planète où on lance la gigue et on est sur des rails. Franchement, c'est pas les trucs les plus importants à vous montrer. Ça fait déjà pas mal de temps que la vidéo a commencé. J'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Ça fait déjà 50 minutes. Pratiquement 50 minutes, c'est trop énorme déjà. Alors, on va abréger les souffrances. On va aller sur Noondak. Voilà, je vais pas vous montrer quand on dansera la gigue. De toute manière, je vous en ai parlé. Alors, Noondak, merde, c'était ici. Eh ben parfait, je crois que c'est là où ça exploite pas mal la gravité dont, que je vous parlais. Je sais même plus. Alors, qui c'est qui a développé ce jeu-là, hein? Qui c'est? Eh ben, c'est Insomniac Games. Mais c'est qui, Insomniac Games? Si vous savez pas qui c'est... Oh là 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 là. Bon, c'est pas une honte, parce que peut-être que vous êtes trop jeune pour avoir connu ça sur PlayStation 1. Mais Insomniac Games, c'est les développeurs des premiers Spyro. Et oui, nos fameux Spyro, ah là 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 là. Alors ça c'était des fabuleux jeux. Bon, qui après ont été repris par d'autres développeurs. D'ailleurs, ça n'a pas arrêté de changer d'éditeur, de développeur quand ça a commencé à passer sur PS2 et dont ça a fini sur PS3 avec la trilogie de la Légende du Dragon. Là, c'était un petit peu... On s'éloignait en fait du but de la série. Voilà. Là, je vais accéder à la section qui, du coup, là, va pas mal exploiter la gravité et les bottes. Bah, en fait, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure, quoi. Et vous allez voir, hop là. Olé, hein, la tête en bas, c'est parti. Bon, on s'en rend pas compte parce que la caméra tourne avec nous, mais... Donc là, petite phase de plateforme. Très, très, très sympa. Parce qu'en même temps, c'est aussi... C'est un jeu de tir, mais c'est aussi un jeu de plateforme. Donc si vous voyez mon personnage qui avance tout seul, c'est parce que, je l'avais déjà dit, j'ai le joystick qui se... Bah, il reste calé un petit peu vers l'avant, et ça c'est chiant. Bon voilà, rien de bien compliqué. Alors ça c'est un projet, ça va me projeter, pas mal. Ça y est, dès le premier niveau, ça c'est vraiment bien. Bon, c'est marrant, hein. Alors là, il va falloir que je fasse gaffe. Donc vous voyez, c'est sympa, hein. Là, les phases de plateforme comme ça, sinon le jeu, ouais, les graphismes aussi, c'est un énorme atout, comme vous le voyez. Déjà c'est très futuriste, c'est bien fait, mais en même temps, vous voyez, il y a des couleurs de partout, le level design est vraiment bien pensé. Toutes les planètes, jusqu'à maintenant, vous voyez, elles sont quand même bien différentes. Franchement, non, de... Merde, j'ai loupé. De ce côté-là, niveau diversité, niveau level design, couleur, graphisme, c'est que du bon, c'est vraiment top. Dans cette planète, je vais vous montrer aussi un autre défaut que je n'ai pas encore cité. Je trouve que c'est un défaut, ouais, quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous voyez, j'arrive quand même à en trouver. Alors ça, c'est des plaques qui disparaissent. Hop, et là, on va se reprojeter, c'est parti. Mais bon, sinon, voilà. Je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce que j'avais déjà à dire sur le jeu. Maintenant, ça va être simplement des trucs, des petits trucs encore à vous montrer. Là, qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore? Bah, l'autre défaut dont j'ai envie de vous parler. Et sinon, après, ben, on finira sur une petite phase
qui me plaît pas mal aussi. Alors là, je sais pas quand est-ce qu'elle est, la phase d'eau. Normalement, elle arrive après cette phase... Eh merde, je me suis fait avoir et je tombe. Non ! Oh putain ! Mais c'est pas vrai, ça m'arrive pas normalement. Putain, déjà que la vidéo elle dure longtemps, mais en plus... Mais en plus, je me gamelle, quoi. Ah mais, non mais bien sûr, bien sûr. Si je me gamellerais pas, ce serait pas du kishnifou, bien évidemment. J'aurais pas ma petite marque de fabrique, mes petits fails habituels. Hein ? Bah non, bien évidemment. Ouais, là, c'est reparti. On va essayer de pas faire les cons. Et merde. Bon, c'est pas grave, j'y vais. Putain, non ! Non ! Mais non ! Je vais pleurer ! Non ! Mais pourquoi ? Tiens, bah oui. Eh ben... Je vais le faire passer pour un défaut, j'avais pas prévu d'en parler, parce que pour moi, ça allait pas mal. Mais finalement, comme vous voyez, il y a des petits problèmes au niveau... Ouais, à moins que ce soit moi qui joue mal, hein, et là, d'accord, ok, on s'en tiendra là. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal, parfois, à savoir où se situe, par exemple, là, le rayon. Tout à l'heure, je pensais pouvoir lui passer par-dessus, et vous avez vu que, bah, finalement, j'ai pas réussi. Parce que j'avais pas bien vu où est-ce que ça se situait. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça devrait monter. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai un truc à actionner peut-être là derrière, non? Mademoiselle Apogée a désactivé l'ascenseur. Elle a désactivé l'ascenseur. Ouais. Je peux pas monter? Je peux pas y aller? Non, mais pourquoi? Non! Pourquoi je peux pas y aller? Parce qu'il fallait que je le fasse pendant l'aventure, peut-être. Ah, merde, oui, vu que c'est un niveau que je refais, je peux peut-être pas y aller, du coup. Ah, merde. Et là, si je vais là, ça me fait quoi? Canon état. Ah, ouais, c'est pour me faire aller... c'est pour me propulser ailleurs. Oh, non, je peux pas monter. Dommage, parce qu'en fait, je voulais vous montrer... un autre défaut, et du coup je vais pas pouvoir vous montrer ailleurs, c'est les phases d'eau. Alors là, mais ça va me propulser où si je pars là? Mais je peux même pas me propulser là, du coup. Où est-ce que je peux aller? Ah là. D'accord, ouais, mais bon, ça servira à rien. Bon bah ça sert à rien, dommage. Pas grave, je vais faire propulser, regarder un petit truc pas mal. Je crois qu'on a même une petite réflexion de Clank à la fin. Attendez, on va écouter. Les canons téléporteurs font toujours frémir mes pignons. Voilà. Bon, bah, c'est dommage, j'ai pas pu vous montrer la phase d'eau. Là, on va terminer. Ben, on va retourner. On va retourner. Voilà, dans le ciel. Je vais vous montrer une petite phase sympa. L'eau, qu'est-ce qui était chiant? Bah, c'était que c'est pas un maniement normal. C'est-à-dire que vous allez pas simplement. Bah, nager, monter, descendre avec les analogues. Non, en fait, il va falloir... Pour monter dans l'eau, il faut appuyer sur... attendez, c'est que je me souvienne. Sur croix. Et pour descendre, il faut appuyer sur carré. Imaginez le truc. C'est R1 pour se propulser, donc pour nager normalement. Et c'est carré pour descendre et croix pour monter. C'est n'importe quoi, ça. Bon, une fois qu'on s'y est fait encore, ça peut aller. Mais sincèrement... Je sais pas, je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça, aussi bancal. Enfin bon. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est ça. Hein. Il n'y en a pas d'autre. C'est une phase assez partie. Ah non, c'est celui-là. C'est celui-là, voilà. On va terminer par ça, on va s'arrêter ici. C'est une phase en vaisseau spatial. Une bonne petite phase, hein. Qui après, dans le prochain, comme ça avait plu apparemment, dans le prochain opus, bon, pas Quest for Booty, pas celui qui était entre les deux jeux, mais le dernier là, de la trilogie, Cracking Time, on pourra carrément, vous voyez, là par exemple, c'est un script qui nous fait nous balader de planète en planète, et bien après, dans le dernier, ce sera carrément nous, en fait, qui prendrons notre vaisseau et qui se baladeront où est-ce qu'on voudra. Alors là... Donc c'est une simple phase de vaisseau où je peux... Alors c'est pas moi en fait qui va choisir ma destination. En fait vous voyez, quand je bouge le vaisseau, la caméra est fixe et simplement mon vaisseau qui bouge
et je vais pas pouvoir bouger la caméra comme je le veux. Là, vous voyez, par exemple, la caméra bouge, mais c'est absolument pas moi qui choisis la destination. Donc ça, c'est sûr que c'est extrêmement scripté, mais malgré tout, on a quand même pas mal de choses à faire à l'écran, il faut gérer. Mais voilà, ça reste assez pas ennuyant. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a des espèces de phases comme ça ennuyantes où on refait à peu près les mêmes choses, eh ben, vous allez essayer d'entendre, malgré le fait que je vais peut-être parler. Là, écoutez. Bon, voilà, on a souvent pas forcément le plus souvent, ce sera des discours marrants, mais on a aussi des dialogues normaux comme ça pour combler un certain vide. C'est bien parce qu'ils pensent à tout. On voit qu'ils pensent aux joueurs qui vont jouer à ce jeu-là et qui vont, au bout d'un moment, je sais pas, par exemple, ils vont jouer, ils vont se dire « Ah bah tiens, dans ces phases-là, le joueur, il risque de s'ennuyer, donc on va leur faire ça. » Et là, on va rentrer dans un trou noir. Eh ben non, on rentre pas dans le trou noir, on rentrera après. Parce que là, vous avez pas écouté, c'est normal. En fait, on a des pirates de l'espace qui nous attaquent. Et donc, on doit aller... Ah, là, je passe dans un anneau, parce que vous voyez, en bas à gauche, il y a ma vie. Et donc là, il y a des espèces de pirates de l'espace qui nous font yesh, et qu'on va essayer de devoir aller les détruire leur base. Et là, sincèrement, si ça vous rappelle pas un film culte, encore une fois, un truc culte dans ce jeu-là, si vous connaissez pas déjà le truc, le coup des Spyro, mais maintenant, le truc qui va être... bientôt, je sais pas quand est-ce que c'est. Alors, vous voyez, des fois je peux détruire des espèces de triangles. Comment on appelle ça, des triangles en 3D? Putain, merde. Oh, comment on appelle ça? Oh putain, c'est pas grave. Et bien, ça nous donne du raritanium ou des boulons, je sais plus. Et là, cette phase là ça vous rappelle pas un film culte quand même? Bien évidemment, Star Wars, l'étoile noire, Luke Skywalker. Quand il va comme ça dans les tranchées de l'étoile noire et qui va détruire le cœur, et qu'après il s'en va et tout se détruit, et bien vous allez voir, ça va faire la même chose. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire de spécial avec ce vaisseau? Alors comme vous voyez, bon, on peut simplement tirer avec R1, mais on peut aussi avoir une arme secondaire qui nous permet de viser un peu comme le lance-prédateur que vous avez vu. Ah bah voilà, une autre phase, je vais continuer à vous en parler après. Là je suis avec Clank. Et là, par contre, je peux simplement tirer. Donc, je bouge le curseur avec l'analogue droit et je peux tirer avec la touche R1. Et là, voilà, il y a des ennemis qui sont par là. Je leur envoie des projectiles. Et si jamais je mets trop de temps à lancer mes projectiles, ils vont m'attaquer. Et là, vous voyez, je suis parti de cette pseudo-étoile noire et elle a explosé. Voilà, pour dire que j'ai fait le boulot. Mais là, maintenant, on va aller dans le trou noir et on va se battre contre un méchant pas beau. Voilà, et sinon, ce qu'on peut faire avec le vaisseau, c'est simplement cibler des ennemis. Ça va arrêter notre cadence de tir. Et dès qu'on aura relâché la visée, ça va lâcher. Mais là, il faudrait que je puisse vous montrer. La phase, normalement, avec Clank va être bientôt terminée. Là, je me fais exterminer, je fais n'importe quoi. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein. Dans l'espace, là. Waouh. C'est vraiment très beau. Et là voilà, donc je peux en laissant appuyer sur L1 viser, et là je relâche. Et vous voyez, plein de petits projectiles qui vont aller aller atteindre les cibles qui ont été visées. Bon, parfois il y en a tellement à l'écran qu'elles vont pas tout viser. Ça, c'est assez dommage. Mais c'est pas grave, sinon ce serait peut-être un petit peu trop simple. Bon, sinon on peut pas accélérer, hein. Comme je vous dis, on peut vraiment rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut esquiver. Si, il y a un autre truc qu'on peut faire et qui est assez classe, mais qui sert pas vraiment à grand chose vu qu'on peut faire des gauches droites assez rapidement. C'est ça, attention, 3, 2, 1. Voilà, une espèce de roulé-boulé comme ça. Et qui va nous permettre parfois d'esquiver des projectiles qui viendraient trop rapidement vers nous. Comme ça, hop, on esquive, hop, on réesquive. Ouais, bon, voilà, c'est pas trop mal. Bon, voilà, sinon... Oh, c'est un petit peu fouillis quand même comme phase de tir. Il se passe beaucoup de choses à l'écran, c'est vrai, on voit pas souvent où est-ce qu'il nous vise. Mais bon, de manière générale, ça reste quand même une bonne phase. Y a rien à critiquer. Bon, bah voilà, je vous ai tout dit. Là, on va rentrer dans le trou noir, on va se battre contre un monstre. Et puis, bah, on s'arrêtera ici. Je vais arrêter de vous parler pendant que je battrai le monstre. Et puis,
Bah, je vais arrêter là, quoi. Je vais faire un bref petit résumé. De toute façon, je vous ai un peu tout dit. Comme vous avez vu, hop, là, on rentre dans le trou noir. Comme je vous ai dit, le jeu, et comme vous avez vu, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai pas encore tout montré. Il y a par exemple la gigue que je vous ai pas montré quand on se transforme avec le déguisement d'Holo Pirate et qu'on va danser la gigue qui est encore une fois gérée avec le six-axis de la manette. Et qui est là, il va nous dire allez en haut, à droite, à gauche. Bon, ça on le fait avec l'analogue, mais par exemple quand il va nous dire bouge ton corps, et ben là on va devoir bouger la manette dans tous les sens. Merde, alors là il va falloir que je fasse attention parce que j'aimerais pas perdre. Ça, c'est assez dur à esquiver, n'empêche, mine de rien, ça paraît pas comme ça. Et ouais, donc c'est encore une fois bien sympa. Fonctionnalité de la 6-axis bien exploitée. Et ce que je vous ai pas montré, c'est les rails. Il y en a pas mal dans le jeu quand même, et ça c'est pas mal. En fait, on va être sur. Bon, on va glisser sur des espèces de rails. Hein, et à la Sonic, j'ai envie de dire, à Sonic 3D, souvent quand on est dans les Sonic Adventure 2 Battle ou même les Sonic actuels, on slide quand même pas mal sur des rails. Et on va devoir esquiver des trucs qui sont des obstacles qui sont sur les rails. Voilà. Alors, attention, là, faut que je fasse gaffe. Voilà. Oh merde, je me suis fait avoir. C'est pas grave, je lui ai déjà bouffé pas mal de vie. Voilà, et puis à part ça, sinon, voilà, pas d'autre grand chose à dire, à part que le jeu, il est très beau. Il est plein d'humour, vous marrez, de bout en bout. Il est super bien optimisé comme jeu, à part quelques petits ralentissements. Donc niveau technique encore, c'est pas trop ça, mais ça nuit pas au plaisir du jeu. Et voilà, c'est toujours aussi professionnel. Ils ont tiré profit de tous les petits défauts peut-être qu'ils avaient lors des opus PS2 pour proposer une trilogie digne de ce nom et qui a corrigé toutes les petites erreurs qu'on aurait pu trouver dans les premiers opus. Voilà, allez, je vais vous laisser ici. J'ai tué le monstre. Je vous dis de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous.